Burn the gum, not your soul. Gavin Mortal. Eh bien, salut à tous. Donc, première partie du guide des motards débutants. Donc, on va commencer par expliquer comment s'habiller en hiver. Donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo qui vient de se passer juste avant, ça va pas du tout. Il fait moins 15 dehors. Donc, je vais vous expliquer tout de suite comment faire. Premièrement, ce qui est important de vous dire, c'est que le style beau gosse de l'été avec le petit gilet par pierre, on va dire, tout ça, beau gosse et tout, c'est terminé. L'hiver, franchement, il faut s'habiller, sinon vous allez être tout le temps malade. C'est important, la visière ouverte, on oublie, on la ferme. La visière teintée, on voit plus rien à partir de 16h, donc du coup, on peut l'enlever aussi. Pensez vraiment à votre sécurité et à avoir chaud. C'est le plus important, sinon vous allez mettre, admettons que je mette le gilet, vous allez le mettre une fois, après vous êtes mort, vous allez geler, le nez qui coule et tout ça. Donc, je vais vous montrer mes équipements personnels et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert. Ah oui, premièrement, enlevez-moi cette merde parce que ça vous servira à rien pour l'hiver. Alors, on dégage tout. Des premières choses que vous pouvez acheter quand vous commencez la moto et que c'est l'hiver qui commence à faire vraiment froid, ou même l'été, c'est très bien pour l'été aussi, c'est le blouson textile. Donc, première qualité du blouson textile, en général il est hyper étanche, donc généralement quand vous allez rouler sous la pluie, il va pas y avoir de soucis, vous allez être vraiment bien dedans sans aucun problème. Deuxième qualité, c'est qu'il a une doublure. Donc comme vous pouvez le voir à l'intérieur, en fait il y a une doublure juste ici. Donc vous pouvez retirer simplement en l'ouvrant. Une fois ouvert, vous avez une partie qui est vraiment très, très ouverte et très aérée, ce qui permet à l'air de pouvoir rentrer et circuler plus facilement l'été quand il fait vraiment très chaud. Donc on va dire que le manteau textile, c'est pas mal pour la mi-saison, quand il commence à faire un peu frais, mais surtout pour l'été, où l'été vous allez être vraiment bien dedans et pas transpirer. Ou un petit peu, mais sans plus. Donc vraiment, je vous conseille ça pour le début, si jamais vous êtes en train de passer votre permis, c'est vraiment le meilleur blouson que vous pouvez prendre pour le moins cher. Parce qu'en gros, vous pouvez en trouver aux alentours des 100-150 euros sur internet assez facilement. Donc, deuxième blouson qu'on va parler, c'est le blouson en cuir. Donc, c'est vraiment le meilleur blouson que vous pouvez avoir en moto. C'est celui qui va être bien dans tous les cas et qui va vraiment être au top. Donc, le blouson en cuir, c'est vraiment le meilleur blouson. C'est celui qui va venir vraiment vous coller un maximum la peau, qui va vraiment être le plus proche de vous. Donc, il faut savoir que lors d'un accident, c'est bien d'avoir un blouson pas trop grand, qui soit vraiment assez proche de vous, parce que si jamais les coudières se décalent, vous voyez là, elle bouge pas. Si jamais il est trop grand, elles tourneront les coudières, et même au niveau des épaules, vous allez avoir les caches qui vont tourner aussi, donc c'est pas bon du tout. C'est pour ça que c'est bien de prendre le blouson généralement assez serré quand vous allez l'acheter. Donc c'est vrai que c'est pas agréable, je suis d'accord avec vous, mais ça va vraiment vous aider une fois qu'il va être fait à ce qu'il soit vraiment parfaitement ajusté par rapport à vous. Moi par exemple, là il tombe très bien, donc du coup je suis vraiment bien dedans, alors qu'au début j'étais vraiment très serré. C'est à vous de voir, mais je vous conseille de le prendre un peu serré lors de l'achat. Vous avez aussi également dans celui-là une doublure. Donc c'est un peu le même principe que le textile. La même doublure qui s'enlève et qui après respire. Seulement, il faut savoir, comparé au textile, pour l'été, vous allez vraiment avoir plus chaud. Tout simplement parce que dessous, il reste quand même du cuir et que le cuir, c'est pas très aéré. Donc même si vous avez quelques petites aérations à quelques endroits, ça va quand même pas vous changer la donne et ça va vraiment être plus chaud que le textile. Donc pour l'été, je vous conseille le textile, par contre pour l'hiver, je vous conseille vraiment le cuir qui en cas de choc et tout ça va être quand même vraiment plus résistant que le textile. Donc une chose très importante aussi également, vous n'avez pas toujours la dorsale que j'ai ici même dans le dos. Vous n'avez pas toujours quand vous achetez le manteau, donc faites bien attention à l'avoir, c'est hyper important si jamais vous tombez. C'est la seule chose qui vous protège en fait, la colonne vertébrale. Donc vraiment au moment de l'achat, regardez si elle y est, si elle n'y est pas, allez au rayon dorsal et en achetez une. C'est vraiment hyper important. Donc après on va passer à la combinaison, donc qui pour l'été est super mais qui tient très chaud, et pour l'hiver qui n'est pas vraiment imperméable, donc vous allez vraiment vous tremper si jamais vous prenez une grosse saucée. Donc c'est hyper important, si jamais vous prenez une combi et que vous roulez tous les jours avec, je parle surtout pour ceux qui ont des sportives ou qui comptent acheter des sportives, c'est vraiment important d'acheter la combinaison anti-pluie intégrale, sinon elle va prendre l'eau et vous allez la tuer assez rapidement. We'll be right back.
Donc la combi, c'est vraiment important de vous la prendre serrée aussi dès l'essayage. Le petit inconvénient qu'il va y avoir avec la combi, c'est qu'en fait vous allez être obligé d'être en sous-vêtements dessous. Donc généralement vous allez être ou en caleçon ou en culotte pour les filles, mais du coup vous êtes obligé d'être en sous-vêtements tout simplement parce qu'elle vient vraiment vous serrer à fond. Et le problème c'est que si vous mettez quelque chose dessous, ben, vous pouvez même plus la rentrer. Faites attention si vous la commandez en ligne, ça va être pareil. Au début, elle va être très 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 serrée. Moi c'était le cas, là elle est encore un petit peu aujourd'hui, je ne l'ai pas encore assez mise. Faut vraiment que vous la portiez plusieurs fois pour que ça se détende, notamment au niveau des jambes. Faites attention parce que si vous avez des grandes jambes, regardez bien, à la limite, allez l'essayer plutôt parce que sinon vous allez avoir des problèmes avec les protections au niveau des genoux. Ça va remonter, ça va vous allez voir, ça va pas être agréable et ça va vous couper la circulation du sang quand vous allez vous mettre en position sur la moto tout simplement pour conduire au niveau des jambes. Donc faites attention à ça, allez plutôt l'essayer en magasin. Si jamais ils ne l'ont pas, commandez-la en ligne, essayez-la et n'hésitez pas à la renvoyer, sinon ça va être assez compliqué. Donc maintenant on va passer au pantalon de pluie. Donc le pantalon de pluie, vous en avez plusieurs sortes. Vous avez ceux qui sont vraiment fins, comme celui que je porte actuellement, et que vous devez enfiler en fait par-dessus votre pantalon. Donc déjà, mettez un jean plutôt. Moi là j'ai un chino, mais mettez plutôt un jean, c'est mieux d'avoir du jean que du tissu. Donc vous avez ceux-là qui s'enfilent par-dessus le pantalon en fait, tout simplement. Et après vous en avez carrément qui sont vraiment épais et qui se mettent juste comme ça. Vous mettez un sous-vêtement dessous et ça passe tout seul. Donc après moi je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas envie de vous embêter et d'y mettre cher là-dedans, parce qu'un pantalon de pluie un vrai ça vaut au moins 150 euros, prenez-en un comme moi. Celui-ci je l'ai payé 12 euros, c'est un basique, il a rien à voir avec la moto, c'est même pas une marque de moto. Vous prenez celui que vous voulez du moment que c'est un pantalon de pluie et clairement ça suffit largement. Vraiment, après si vous prenez une grosse pluie, parfois vous pouvez avoir le cul mouillé, je vous l'accorde, mais sinon vous allez voir qu'en général ça suffit amplement. Donc on va passer au casque, c'est vraiment l'essentiel pratiquement, le plus important avec le blouson. Donc en ce qui concerne le casque, c'est important d'en prendre un assez bien. Hop. Vous allez voir pourquoi. Tout simplement, c'est important qu'il vous tienne bien la tête quand vous lavez. Faites attention, surtout l'hiver, il fait froid et dans l'idéal, prenez un casque où le vent ne s'engouffre pas trop, sinon vous allez vraiment avoir hyper froid et être gelé. Donc moi, vous voyez sur celui-ci, en fait, j'ai juste un petit truc comme ça qui me permet vraiment d'éviter que l'air rentre et c'est vraiment une tuerie. Après, pensez à mettre la visière normale et surtout à mettre le pinlock. Donc le pinlock, c'est un petit film en fait qui vient de mettre sur la visière et ça va vous éviter d'avoir de la buée. Donc quand il fait super froid et que vous allez respirer, vous allez avoir de la buée partout, sauf si vous avez une pinlock en fait. Le pinlock, ça coûte une cinquantaine d'euros, mais généralement, vous l'avez offert avec la visière. Donc du coup c'est vraiment essentiel. Après voilà, le casque, peu importe celui que vous prendrez, faites attention quand même à que l'air ne rentre pas trop, surtout l'hiver, parce qu'il fait vraiment super froid. T'es où Johnny? Je te vois pas. Oh. Ouais bah t'as qu'à l'ouvrir ta visière de merde. Oui bah ça va hein. Au pire, j'ouvre ma visière. Si jamais vous êtes sur la rocade ou quoi que ce soit, pensez que même si vous avez la visière teintée et que vous allez vouloir l'ouvrir, l'hiver c'est impossible. Vous allez avoir tout qui va geler, vous allez être gelé comme une merde. Donc on oublie tout de suite ce qu'il vient de dire. Vraiment, c'est important d'avoir cette visière. Un autre élément essentiel dont j'ai pas parlé et qui vraiment vous sauvera la vie, vous évitera d'être tout le temps malade, c'est celui-ci. Hop, le petit tour de cou. Ce petit tour de cou, c'est vraiment ce qui va vous aider sur la route à avoir vraiment tout le tour du cou au chaud et vous allez vraiment être super bien. Quand vous ne l'avez pas et que vous le mettez pour la première fois, c'est juste une dinguerie. On a l'impression d'être tout chauffage comme ça. Boum, boum, boum. Non, franchement, c'est vraiment une tuerie. Donc pensez vraiment à le mettre. Même si vous faites peu de route, mettez-le, ça vous évitera d'avoir une vieille migraine de merde ou une migraine, qu'est-ce que je dis, ça n'a rien à voir, une bronchite, c'est pareil. Voilà, donc vous avez compris, donc n'hésitez pas à vraiment le prendre tout le temps dans votre poche. Il y a vraiment une chose super importante que je n'ai pas filmée dans cette vidéo-là, c'est les gants d'hiver. Donc l'hiver, pensez vraiment à acheter des gants molletonnés, un peu chauds, avec la norme CE, du coup, vu qu'elle est obligatoire maintenant. Mais c'est vraiment l'idéal d'avoir des gants hiver quand même quand c'est l'hiver. Donc je sais que c'est chiant de devoir acheter des gants, mais vraiment, vous allez voir que ça va vous changer la vie. Après, au niveau des bottes aussi, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Il y en a plein, des différentes, des étanches, des non étanches, mais davantage, prenez plutôt des étanches, ça sera beaucoup mieux pour vous. Donc voilà ce que ça donne quand j'ai l'équipement en entier. Vous voyez, c'est vraiment super. Vous pouvez avoir du style aussi. Ouais, je sais. Et vraiment, vous n'avez pas besoin de vouloir avoir beaucoup, beaucoup de style, mettre des trucs froids et vous geler les couilles. Ce n'est pas du tout le but. Rien à voir. Vraiment, habillez-vous bien. Faites attention à vous sur la route. Et par contre, je suis en train de penser, j'ai oublié un truc essentiel. Attendez. Pensez à mettre un pouce bleu pour le prochain guide des motards, vous allez voir, ça va être une tuerie. J'espère que ça vous aura aidé et vous aura aidé à vous mettre la tête un peu en face des aiguilles.
Je sais, ça veut rien dire. Et surtout, amusez-vous sur la route et faites attention à vous. Bye bye.